Eh bien, bonjour les Twitchos, bonjour les Twitchas, et bienvenue pour ce stream de qualité en compagnie de votre streamer préféré, streamer slash youtubeur, Marvin Schrödinger. Aujourd'hui, on se retrouve, vous connaissez la musique, hein? Qu'est-ce que je fais? On se retrouve toujours pour le même jeu. Skyrim, voilà, Skyrim, tout bonnement. Alors... C'est où? Live. Par où? Je vais le lancer. Enfin, il est déjà lancé, mais il faut que j'aille dessus. Vous connaissez, hein? Vous connaissez Streamlabs. Vous connaissez le monde de Narnia. Voilà. Nous étions toujours dans l'optique de découvrir toutes. Attendez. Ça fera comme ça. Donc, on était dans l'optique de découvrir tous les mots de puissance, les mots draconiques. Et ben, on va y aller. Ah, il a disparu. Il y avait un point rouge par là. Genre un ennemi, mais... Ah, c'est encore le goût de kebab. Très bien. Alors. Et le Solstheim se trouve au nord-est de Bordeciel. La Vierge du Nord assure parfois le transport des passagers depuis Vendôme. Faudrait que j'y aille là-bas, mais bon, j'y suis déjà allé il y a fort longtemps. Hein. Et on fera ça plus tard, écoute. Quand l'envie m'en prendra. D'abord, les mots draconiques. Ah! J'avais complètement... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y avait un ennemi. Allez, tête de chibre. Allez, il est où? Il est où? Ok. Ok. Bah dis donc. Ah, il est énervé. Il est pas content. D'entrée de jeu, comme ça... Ah, il est difficile, hein, ce... Oh, 150 néants. 25, j'ai quoi? Ah, c'est pas mal, ça. Voilà. Éteins. Crève, dragon. Saleté de lézard. Bah voilà. Masse d'ébonite. Oh putain, je l'ai pas reposé celle-ci. Oh putain, le camp. Ouais. Bah écoute, on va aller. D'abord, on va récupérer tout ça. Oh! Ah non, c'est bon, j'ai assez de place. Allez, donne l'âme. Ce sera parfait pour le prochain mot que je vais récupérer, qui se trouve être loin, je crois. Il est où? Il est où le mot? Le mot? Le mot? Ah! Ah oui, putain, il était là. Ok, merde. Pff, attends. Âme de dragon dans le fion. On va aller poser toutes nos affaires à Blancherive. Notamment les os de dragon et autres joyeusetés récupérées lors des quêtes. Je crois que j'ai enlevé ma veste, il fait un peu chaud quand même. Hein, et faut pas déconner. Hein.
Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Oh putain. Pourquoi? Quoi? Laissez-moi tranquille, monsieur. Voilà. Décidément. Alors, bon, je vais pas vendre tout ce que j'ai parce que 113 000 pièces d'or, on va attendre un peu quand même, hein. Peut-être quand je descendrai en dessous des 50 000 pièces d'or, peut-être que je vendrai deux, trois trucs. Alors, à la base, ici, il y avait une Draculito, là. Pourquoi c'est ça par terre? Une vampire qui m'attendait pour une quête, mais elle a préféré partir. À peu près comme toutes les femmes, hein. Quand tu les délaisses, elles se barrent. Stocké, voilà. Tenue, qu'est-ce que j'ai en tenue qui pourrait. Non, j'ai rien. Potion, non. Parchemin, allez, Vlan. Allez. Non, ça fait un sacré bruit, hein. Bon Dieu, les clés. Mais depuis quand. Bah, j'ai une chope, moi. Mais depuis quand j'ai une chope, bordel de merde. Toutes ces petites merdes aussi. Tiens, je vais les mettre. Diamant. Les gemmes, on va les garder. Grenat, on met tout. Les griffes, on les garde parce que dans certaines quêtes, on en a besoin. Ah non, ça, on peut pas les mettre. Ça fait chier, ça prend un peu de place. Bon, pas beaucoup, mais ça prend un peu de place. Rubis, saphir, saphir parfait, les torches, on garde. Et ça, on va tout mettre dedans. Et émeraude. Pouf. Fais voir ce que j'ai ici. Attends, fais voir. Avec les os des dragons, j'en ai trois du coup. Et le reste, les écailles, 3. Ok, ouais, bah, j'en ai de la caillasse aussi. Hein. Ouais, tout un tas de merdier que je pourrais vendre plus tard. Allez, Lydia, on y retourne. Alors, oui, pour aller au nouveau mot, pour aller chercher un nouveau mot draconique, je pars d'ici, tout simplement, pour faire un peu de voyage et découvrir des nouveaux lieux. C'est aussi simple que ça. Car. On a encore picolé la veille, on sait plus où on va. Je peux vous aider, entre nordiques. Ta gueule. C'est la nuit. Donc, 10, 9, 8, 7, 6. Et toujours là le dragon. Bah c'est parti, hein. Pour le périple. Ok. Qu'est-ce? J'entends des bruits. J'entends des bruits. Ah, il y a ces saletés de dragons. Mais je les ai déjà butés. Ah, mais c'est là-bas d'ailleurs que Lydia est morte. Ouais, ma petite Lydia. Non, c'est pas là-bas. Attends, c'est. Ici, c'est Blancherive. Ah non. Ah, c'était plus par là-bas, je crois. Fais voir. Ouais. C'était là qu'elle est morte. Donc, eux, je les ai pas butés. Mais je vais pas les buter aujourd'hui, hein, parce que. Oula. Oh, bah oui. Quelle idée aussi. Je vais quand même découvrir le lieu. Voir. Lieu découvert. Allez. 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 Voilà. Bon, c'est bon. Il ne m'attaque pas. Pas pour le moment. Pourquoi ça lag? Ah. Par où tu passes, toi? Mais t'es sérieuse de faire un. Mais tu vas te fatiguer pour rien, ma grande. Ah, il y a les griscouilles là qui sont là-bas, c'est vrai.
Un dragoon encore. Oh, ils m'emmerdent ces dragons. Il y en a trop, il y en a trop. Really, hein. Ah! Oh putain! Oh putain. Putain, il m'a fait peur le con! Oh là là. Cette saleté de... Hein, bon. Quoi? Ouais, bon. Eh, ouais, on t'a vu, blablabla. Et regardez, je suis un dragon, je suis là, gnanine. Bon, il y a des fantômes ici. Bah alors, ah bah c'est là. Bah écoute. Attends, mais il fait passer par là, comment? Mais... Non, parce qu'il y a des fantômes et... Vous voyez, il n'y a pas moyen de passer par un autre endroit. Et en plus, oh là là, il est pas content lui. Pourquoi? Je suis désolé, c'est pas ce que... D'accord, t'es gentil, mais écoute, si c'est pas ce que tu veux, bah fais le pas. Hein. On va quand même essayer de passer par là. Non. Ah putain, ça me gratte. Non, c'est comme le GPS. Ça m'énerve ceux qui mettent le GPS, mais après ils prennent pas les routes que le GPS indique. Après ils disent, oh mais je comprends pas, c'est plus court ici, il y a des bouchons. Bah ouais, mais suis le GPS, il sait mieux que toi, connard. Ouais, bon. Bon, bah... Il y a pas mal de fantômes dans le coin. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de... d'en éclater un ou deux comme ça, là? Ok, tu vas où, toi? Ouais! On y va, Lydia. Faut que j'arrête de l'appeler Lydia. Hein. Ah! Eh ben bonjour. Bonjour à toi, merci pour le follow. Comment ça va? ASC 18 000. Ah bah voilà. J'ai pas le choix, on a toujours le choix. Bordel de merde. Pourquoi j'ai pas le choix? Oh là là, je suis un fantôme, j'ai pas le choix, je dois vous hanter. Enfin bref. Qu'est-ce que ça raconte de beau? Ouais, ouais, j'ai pas le choix, je connais la musique. Bien sûr que si. Oh, en plus, il y a un dragon. Bonjour, monsieur. Comment ça va, vous, sinon? Je suis désolé, c'est pas ce que je veux. Ok, au bout d'un moment, il va falloir qu'on se mette d'accord, les gars. Alors, j'ai un nouveau follow et... Non, bah, si tu veux pas parler, écoute. Installe-toi. J'ai pas le choix. Il y a des trucs... Ah bah oui, c'était bel et bien là, hein, qu'il fallait que j'aille. Et le dragon, il va pas venir m'emmerder. Il y a des trucs là. On va fouiller, parce que dans ce genre d'endroit, il y a toujours des trucs à... Hein? Bon. J'ai pas le choix. Oula! Hein? Dragoon? Il est où le dragoon? Ouais. Il est encore loin, enfin non, il est très proche même. Viens là, saleté. Ah mais c'est peut-être lui qu'il faut qu'on bute, peut-être à la fin, il y a toujours un dragon. Ah non, bon, j'en sais rien. Écoute. J'en sais fiche trop rien, excusez-moi, je vous demande deux petites minutes. Oula, j'ai plein de... Qu'est-ce que c'est? Dégueulasse. Alors. Hein? Bon, allez, on reprend. Non, allez, on va... Hein? On va rentrer dans les tertres. El tertelou. Comme on dit dans le sud du Sri Lanka.
Allez, bon, bah c'était là. Quoi ? Qui êtes-vous ? Il est où ? Ah, bon, personne ? Allez, on y va. Alors, j'imagine que c'est infesté de fantômes cet endroit. Comme il y en avait dehors, il y en a forcément dedans. Voilà. Écoute. Maman est près de toi. Bah dis-lui si ça te fait chier. Tu peux lui dire maman. Oh à la Wakbar. Bon, y a pas un petit coffre là, y a pas des petites choses là, des petits. Hein? Ça s'allume tout seul? Ah, je peux prendre les torches. C'est vrai. Bon, je vais pas en prendre beaucoup parce que je me suis déjà retrouvé avec 17 torches. Non, plutôt 50 torches et ça prend de la place, mine de rien. Eh oui. Donc, une ou deux comme ça en plus. Bon, bah, y'a rien. Y'a rien, Lydia. Allez, on y va. Alors. Maintenant, on va se la jouer discretos. Parce que. Ah, faut que je recharge le truc. Ah, c'est chiant. J'ai le même problème avec mon téléphone. Toujours en train de le recharger. Oh, mais t'as. T'as où ? Il y a des fantômes là ! On va prendre la masse. La hache. Bonjour ! Ouais, bah bon, bon. Bah écoute. Ah, moi non plus. J'ai du sang de fantôme sur la hache. Si c'est pas beau ça. Oh, bah voilà. C'est de la merde, ça je prends. C'est de la merde. Et ici. Et là. Ouais. Alors. Hein? Qu'est-ce que. Ok. Non? Bon. Ah, d'accord, bon. Alors, avant le PD. Ok. C'est quoi ça? Non, c'est de la merde. Oh, ça vaut un petit peu d'argent, ça. Ça, c'est de la merde. Et on récupère ça. On va prendre. Ce n'est pas ma vie, ok. On ne voit pas ça tous les jours. Loupé. Oh, t'es sérieux? Ah. Ok, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Non? Ah, il a du mal à monter, hein. Pourquoi ils répètent tout ça, les cons? D'accord, t'as pas de choix. Ok, pourquoi? Pourquoi t'as pas de choix? Parce que t'es bien gentil. Non, y'a pas de choix, y'a pas de choix, gna gna gna. La vie, c'est de la merde. Oh là là, regarde. On peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh bah tu sais, s'ils sont tous morts, moi ça me va. Hein. Ah, ouais, ok. Allez, un petit coffre, un petit quelque chose là. Non, bon. Eh, non. Ouais. Ah d'accord, bon. Tu crois que j'allais me faire avoir? Vide. Je parie que si je marche là-dessus, je vais tomber. Oh. Ah, d'accord. Et... Hein?
Bah, je l'ai vu. J'aurais dû. Attends. Non, tu sais quoi? Non. Système chargé. Voilà. Gentiment. Bah écoute, du coup, je sais pas si je fais le truc. Je sais pas si je fais le truc parce que. Et si elle passe dessus? Tu passes dessus, fais voir si tu tombes. Effectivement. Ah? Ah oui, bon. Il y avait quoi en dessous? Bon, je sais, mais bon, c'est pour. Je sais pas si je fais le truc parce que bah, je suis là, quoi. J'ai récupéré ma. Oh, tu sais quoi? On va le faire. Ouais, allez, on va le faire. Ouais. Allez, on fouille. On fouille, les cocos. Non. Putain, je croyais qu'il avait des lunettes de soleil. Ne faites pas attention à mon assistant. Il n'est pas très en forme, mais il m'est plus utile mort. Il ne l'a jamais été de son vivant. Pas une clé? Non, bon. Bien, voyons si nous avons quelque chose qui permette de finir tout ceci le plus vite possible. Mais pas d'inquiétude, c'est relativement sans douleur. Oui. Relativement. Ce qui se fout encore. Eh, c'est le sorcier. Il doit se trouver quelque part par là. Oui. Je vous écoute. Je l'ai peut-être mis par là. Bon. Ah, voilà. Bien. Auriez-vous l'amabilité de vous mettre debout? Non. Facilitera la tâche. Ah, j'oubliais. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. En réalité, ça va faire extrêmement mal. D'ailleurs, vous devez mourir pour que le sort fonctionne. Ok. Ok. C'est ce qui me semblait. Alors, oui. Ouais, là, on a un truc, là. Bingo. Ça va faire ? Connard. Quoi, épellier. Je crois que je l'ai, mais je suis pas sûr. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas mal. C'est pas mal. Livre. Livre. Je le connais. Allez, tiens, je te le rends, ton livre de merde. Salopard. Salaud. Breton. Il a rien. Regardez, capitaine, y a rien. Bandit. Crochet. Capitaine, regardez sur l'écran, y a rien. Ah merde. Ah oui, bah j'ai la clé. Bouclier de verre. Bon, il pèse pas très lourd. On va le prendre. Ça, je prends. Commis sur de... le prix sur les épaules. Bon, bon Dieu, bon, bon Dieu, bon pauvre. Bon, bon, ça fait. Oh, bah voilà, une nouvelle. 7 sur 24, bah bon Dieu. Oh. 162, c'est pas mal. Journal de Sild. Ouais, blablabla, blablabla, on va quand même le prendre. L'horreur de Château Xer. Bah, c'est de la merde, parce que ça me... Merde, j'ai pris cette vieille potion de merde. Ok. Ok. Ouais, bon, ça j'ai fouillé. Tire-toi, tu es en mer là, comme ça tu viens, tu. Et alors? Elfe des bois. Bah, c'est bien. C'est quoi ça? Un chien.
Chien vide. Bah écoute. Alors, on va continuer les péripéties et dans les calanques. J'ai peur de la pierre. Bon. Ouais. 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 T'as, qu'est-ce qu'il y a comme potion? C'est bien ça. J'aime bien quand ça. Porte en bois. D'accord. Et ici, porte en bois aussi. Ah. Reviens! Lumière. On va aller de l'autre côté. Parce qu'il y a une grande salle. Ah. Qui êtes-vous? Où suis-je? Ah. Ah, bon, je sais pas. Bah, c'est qui fait mal, le con. Pourquoi ils répètent tous la même chose? Ça commence à devenir très... Oh. Oh là là. Hein? Ah, d'accord. Bon. Écoute. Ah, t'attends, tranquille. On va aller de ce côté. Je ne voulais pas faire ça. Je suis pas vraiment méchant. Voilà. Tourte au hors-cœur. Mon Dieu, que ça a l'air dégueulasse. Ça va vous sinon? Comment ça se passe la vie? Je suis pas très en forme aujourd'hui, hein. D'accord. Tu connais pas ma vie. Ah bah on arrive là. Ok. Alors fais voir. Parce qu'il y avait une porte ici là. On va. Ah mais c'est vers porte-ciel que ça mène la porte. Attends. Non, on va pas prendre la torche. Ah si, j'en avais une en moins. J'en ai cramé une, donc c'était où? C'était là? Je sais plus. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Ah, bah là. Balam, bala. Eh oui. Je suis pas allé là. Et à quoi? Des petits trucs à récupérer, des petites choses là. Peut-être allons-nous savoir pourquoi tout le monde est là. Calme-toi, Raya. C'est bon, il est mort. Hein? Oui, bah je sais que c'est pas ce que tu veux. Et là, y a pas un piège là, non? Bon. Ouais, bon. Qu'est-ce que je viens de voir? Regardez ça. Un petit diamant. Ah, il voulait se le garder, le salaud. Il est sûrement mort pour ça. Alors, ok, on a tout vu, on a tout... bon, on se casse. Parcours. Bah, c'est que ça fait mal d'y voir. Elle va faire tout le chemin, gentiment. C'est quand même beau. Ouais, je me répète, hein, mais bon. D'accord. Et si on sortait par... Non, ouais, c'est bon. On va pas commencer à tergiverser. Vous m'entendez bien? En même temps, vous n'êtes pas nombreux à me le dire, là. Alors, bonjour. J'ai pas des compétences de... Non, bon. J'ai les selles qui me grattent. Vous en avez sûrement rien à foutre, mais bon, je vous le dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que...
Et nous sortîmes sains et saufs. Garde l'eau, oh bon, écoute. Alors le dragon, est-ce que je peux me téléporter? Putain, j'adore ces endroits, bordel, regardez ça, comment c'est beau, quoi. Ouais. Oh, cool. Oh, j'ai peut-être fait la connerie, là. Oui. Un petit peu. Oh, regardez ça. Bon, on va se téléporter. Attends, je voulais voir un truc. Tout bonnement. 283 sur... On va d'abord déposer les affaires qu'on a récupérées. Voilà. Et après, on va retourner voir les griscouilles. Pour leur demander, encore une fois, un nouveau mot à découvrir dans un lieu encore insolite. Alors. Que voulez-vous? Merde, mais je vais où moi? C'est ici. C'est ici, chez moi, je voulais les vendre. Ah, la compétence inconsciente. Je suis allé à un endroit par habitude. Alors. On va déposer tout ça. C'est coquet hein, chez moi. Il y a à manger. Ah, je vais pas, je vais quand même pas foutre le bordel. Par contre, il y a ça là. Pourquoi? On va ranger ça. Là, ça, ça va. Tout le monde sait que ça va là. Voilà. T'imagines, t'as de la viande exposée comme ça chez toi. Depuis des jours, hein, ça fait des jours que c'est là le truc. Ah. Ah, ça y est, ça s'est stabilisé. Ah, ça c'est... Ouais. Mais qu'est-ce que je fais, putain? Je voulais tout ranger chez moi. Tiens, toi. Dans le coffre, qui se trouve à l'étage. Bien entendu. Ah, oui, non, je crois que c'était... Hein, bon. Bâton de feu. Ah, d'ailleurs, ça, fais voir. Disperse au sol, crée un éclair, hein. Et les gars, rien 5 mètres. Oh, les cibles. Ah, bon, non, on s'en fout, ça. Alors, on va se restocker. Voilà. Ensuite. Ah, si, ouais, il y a ça. Et il y a pas ça, et potion, on s'en fout, et livre, on s'en fout, et clé, on s'en fout, et divers, diamant. Ah, celui qui vole mon coffre, il va être bien. Hein. Il y a pas mal de trucs à vendre. Hein. Parce que, à un moment donné, avec tout ça, regarde mes pierres de Benzema, là, t'as vu ça? 7. La 24. À trouver. Ah, oui, j'ai failli partir sans ma masse. Si. Ah, bah, ah, d'accord. Ah, ok, j'ai de la merde à ton truc, là. Pourquoi ça a enlevé le... Hein, bon. F. Ma hache d'ébonite. Voilà. Allez. On va retourner voir les griscouilles. Griscouilles, ah oui. Ça roule de la montagne. Oh, mon dieu, j'ai un ventre. Tu as une capacité de contenance jamais égalée. Enfin, pour ma part. Ah oui, j'ai un cheval, c'est vrai. Bah, c'est bien. Bonjour. Je suis ici pour... Ah, oh, il doit être en train de ronquer encore, l'autre vieux, là. Ah bah non,
Ah putain, je vais pousser. Nouveau mot de puissance. Ouais. Donnez-moi votre carte et je vous montrerai où y trouver l'écho. Oh putain, pointe d'Arquevent, bordel, le vieux. Pointe d'Arquevent, je l'ai déjà fait. Et à un moment donné, je sais où c'est. Eh oui, à chaque fois il me le dit. Donc. Alors, je vais faire le code. Je vais voir si je m'en souviens encore. 7 stage free form high ro. Car à 20. Non. Ah non, ouais, je sais. Free form high ro gar a 20. Ouais, c'est pas ça. Ro gar free form. Hein? Eh ben, on va le retourner chercher. Ce fameux code sur internet. 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 Je suis en live. Ah bon. Pointe d'Arquevent. Ah putain, mais oui, mais je suis con moi. J'ai oublié le 7 stage. Où est-ce que je peux mettre? Alors, c'est ici. C'est ici, alors. 7. Stage. Staff. Free. Ah, ça a tout attaché. Free. Form. Aïe. Ro. Gar. Ouais, c'est écrit comme ça, d'accord. A 20. Ok. Alors, fais voir. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je l'ai mal marqué, bordel de merde. Attends, Ah, ça m'emmerde, à chaque fois ça me fait le bug. Pointe d'Arquevent, oui, bah c'est ça. Bug du mot de puissance, pointe d'Arquevent. D'Arquevent, fais voir. Peut-être qu'il va me... Peut-être qu'ils l'ont mal écrit, le code à mettre, hein. Bon. Alors. Qui... Hein, oui, pourquoi? Parce que, donc, y a-t-il un PNO pour PS4 et... Ah non, là, ça parle de la PS4. Qu'est-ce que ça fout, non? Nous, ce qu'on veut, c'est sur PC. Bah, et... Ouais. Alors, lui, il marque 7 stages à Free, Form, High, au Roadcar à 20. Ok. Est-ce qu'il l'aurait mal écrit, peut-être? Free, 7 stages. Freeform High Roadcar. Enfin, peut-être c'est moi qui l'ai mal écrit. Bordel de merde. Cet stage, ouais. Freeform. High. Roadcar. Road. C'est moi qui l'ai mal écrit. C'est moi qui l'ai écrit, j'ai vulgairement oublié un H. Tu tiens, s'il te plaît. Alors, merde. Ok, SS, voyons que le mec. Stage. 7. J'ai postillonné, mon sang. Stage. Free. Form. High. Ro.
car voilà, il était le ce H là, j'ai oublié. A 20. Merci. Eta, c'était pas facile. Fiu fiu fiu. Ça fait déjà 40 minutes que je fais le stream. Que les cieux, seul le silence. Oh putain, vas-y, il me refait le coup. Et c'est... Attends. On va sortir, on va re-rentrer. Et tu vas me donner un nouveau mot, s'il te plaît. T'es gentil. Non, parce qu'à chaque fois, il me donne cet endroit où aller. Et des fois, ben, il me donne un nouvel endroit. Voilà. C'est comme ça, quoi. Voilà. Alors. Ah, on marche. Bon. Allez, le vieux qui, au lieu d'aller te coucher, vient me parler. Réveille-toi. Oh, ta grand-mère. Ouais, bah faudra revenir plus tard pour qu'il me... Hein. Il est complètement con, ce... Bon, j'aimerais bien faire cette quête d'il y a fort longtemps. Que j'ai eu, mais que je savais pas comment faire, maintenant que je sais comment faire. C'est retrouver la rouge gorge, non, la rouge garde, je crois que c'est les rouges gardes. Retrouver une rouge garde, que deux gars à Blancherive m'ont demandé, est-ce que vous connaissez une rouge garde, tout ça. Moi j'ai dit non, moi je ne traîne pas avec ces gens-là. Bonjour. Oui. Eh ? Faites vite, nous allons à l'hôtel de Kinaret à Blancherive. Il paraît que le Vermidor n'a jamais été aussi beau que depuis qu'il a été soigné. On dit que manger un de ses fruits fait gagner quelques années de vie. Ah. Ah oui, oui. Pressé. C'est un astre. Ah oui, t'es pressé, ouais, t'es vachement pressé. Abruti de chien. Bah, c'est pas... Ah, il est là. Pas très gentil. Et donc, du coup, pour la rouge gorge, la rouge garde... Je sais comment faire, il faut se balader, tout bonnement se balader, pour, oh, ça me gratte, et à un moment donné, on verra deux, je crois, impériaux, qui parlent à une rouge garde dans un endroit quelconque, des fois, il me semble que c'est aléatoire, décidément, je vais y arriver, il me semble que c'est aléatoire, donc on verra, on va se balader un peu, en attendant que les autres fous, là, les vieux, me donnent... On va attendre. Bref, en attendant que les vieux fous me redonnent un endroit où trouver un mot de puissance, et puis voilà quoi. Ah, oh. Le goût du kebab. Le bon goût du kebab de quartier. Le kebab, une grande histoire d'amour. Foin. Allez, bon, bah, il y en a pour un petit moment, les copains. Donc, installez-vous, admirez le paysage, et puis. Oh, vas-y, là. Laisse-moi tranquille, là, les smilodons de merde, là. C'est bon. Fais pas yèche. C'est quoi ça? Il y a des sortes de moustiques. Oh, il y a des loups. Le loup. Voilà. Et on n'en parle plus. Déjà, t'es. Oula, le chargement, il a du mal. Là, par exemple, ici. Effectivement, ouais. Je sais pas. Parce que je me déplace pas souvent comme ça, sur des longues distances, maintenant que j'ai découvert nombreux lieux.
Je peux me téléporter plus ou moins n'importe où dans la map. Et surtout, quand tu te balades à cheval, tu vas plus vite qu'à pied, donc... Les paysages mettent plus... ont plus du mal à se... Hein, bon, vous m'avez compris, faites un effort, bordel de merde. Toi, la grosse, là. Voilà, malandrin. Bon, on va essayer de trouver cette rouge-gorge là, au bout d'un moment, parce que... Allez, alors je sais que par là, enfin par là, on va dire, dans ce secteur, je la croisais souvent. On va le refaire, pour voir si... Ah, c'est où? C'est pas où? Ah. J'ai cru entendre. Oh putain, un ours. C'est bon, laisse-moi tranquille. J'ai assez tué d'ours, de smilodon et autre animal sauvage. Oh putain. Voilà. Laisse-moi tranquille maintenant. J'en ai marre, on m'attaque de part et d'autre de bord de ciel. Et à un moment donné, j'aimerais bien avoir la paix. Hein? J'aimerais bien qu'on... Voilà, lui, laissez-le tranquille. Hein? Bon, alors. C'est quoi ça? Alors, c'est quoi votre secte? Attends, 4, 5, 6, 7, 8. Je sais pas si elle apparaît plutôt en journée ou en nuit. Quoi? Une petite brume matinale. Ouais, pas mal la petite brume là, non? Je sais pas si je monte par là ou... Ah! On va monter par là. Non, ou pas. Que quelqu'un fasse quelque chose. Bah tiens, bah fais quelque chose toi. Ah mais c'était d'accord, bon. Bah écoute, l'ours il va s'occuper de toi, t'étais jardé. Alors, fais voir si... Si je prends à gauche, ça m'emmène ici et j'ai pas envie d'aller ici. Oh putain, il y a encore un ours, bordel de merde! Il m'emmerde celui-là là! Ah, c'est bon là! À un moment donné, on va arrêter. Hein. Ah, parce que. Attends, je vais prendre ma petite masse pour récupérer. Loupé. Des âmes. Allez, petite chèvre, une petite âme de chèvre. Voilà, c'est gentil. T'es gentil. Oh, il y a un petit... Là. Oh, la vue. Ah. Oh, elle est là. De toute façon... Eh non ! Qu'est-ce que je fais, moi ? J'ai dû le tuer deux fois, ce dragon. Il m'emmerde. Je monte. Où? J'ai bien envie de monter, oui. Ah bah, on va monter. Allez, comme ça, là, reine des morts. Voilà. C'est quoi, ça? Ah, d'accord. Non, c'était qu'un vulgaire câble. Oh là là, encore?
Voilà, viens. Tiens. Ours troglodyte. Putain, mon cheval, il va bientôt crever, là. Eh, ça coûte 1000 pièces d'or, un cheval, quand même. Bah, bon Dieu. Ok. Ah oui, on peut mettre la vue intérieure ou pas? Ah non. Ah, c'est dommage. Oh. Bon. Alors. Je fais un tour à cheval. Si je ne trouve pas la Rouge Garde, je vais retourner voir les Griscouilles, là. Et leur demander un nouvel emplacement pour le... Hein? Bon. Attends. Non. On va continuer par là, gros con. Là. Saleté de cheval de merde. C'est quoi ce délire Hein? Bon. Bah dis donc, en une heure, j'aurais pas fait grand chose. J'aurais peut-être pas dû... Ouais. À la brèche, prime ajoutée à la... Hein? Ah? Faut que j'arrête d'attaquer n'importe qui, en fait. Je suis con, moi. Oh, il y a un ours. C'est bon, hein, les ours. Hein, bon, hein, j'ai donné avec les ours là. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi. C'est pas moi. Arrêtez là, bon sang. Vous faites erreur. Voilà, c'est bien. Ah, d'accord, ils se mettent à lancer des flèches. Bah, bravo. Bravo. Ok. Ah. Putain, mais il y a des ennemis de partout dans ce jeu de merde là. Hein? Alors. Ok. Bon, ça fait quelques minutes que je me balade, hein. Que j'ai toujours pas trouvé cette Rouge Garde. Bah écoute, on va retourner voir les vieux cons là-haut. Et leur demander un nouvel emplacement. Et ils ont intérêt de me donner un nouvel emplacement. Et pas le truc d'Arquevent là. Parce que c'est bon, je l'ai fait au moins 3 fois. J'ai vu, bug, machin, truc. Ah, il y a d'autres endroits quand même, non? Ah, stop, t'es jeté. Comment on descend? Non, c'est E, ouais. Oh, pour une fois qu'il fait jour et beau ici, regarde ça. Regarde ça, là. On peut voir... c'est quoi ça? Ah oui, ouais, c'est... Ouais. Et ça, c'est Blancherive. Vous en avez rien à foutre, mais je vous le dis, quoi. Ah, c'est bien.
On dirait que c'est à côté, hein, mais non, c'est très loin. Et... Bon. Avec mes grosses couilles, j'écoute Billy Jean. Alors... Alors, votre formation est sur la bonne. Nous avons reçu. Eh ben voilà. Et donne-moi pas le truc Arquevent. Hein. Donnez-moi votre carte. Commence pas à faire chier. Et je vous montrerai où trouver l'écho. Je vais te tuer. Non, je vais te tuer. Je vais te tuer et on te reverra plus. On te reverra plus du jeu. Hein. C'est parce que là. 15 fois que tu me maintenant regarde putain avec moi. Merde celui-là hein. Tu me l'as déjà donné connard. Oh, putain. 7 stage free. Je vais finir par le connaître par cœur. Bon, il est écrit là mais forme high. Non. Rotgar hop à 20. Putain, tu m'emmerdes. Allez, maintenant cette fois. Allez. Que le vent, seul le oh, ta grand-mère. Putain. Peut-être entendrons-nous bientôt. Bon, bah, il m'emmerde ce con. Hein. J'ai quoi comme quête? Parce que la Rouge Garde, t'es bien gentil, mais. Alors l'Académie Fort d'Hiver, je peux pas y aller parce que interroger les aubergistes des villes au sujet de du prêtre de Falen, interroger c'est quoi ces trucs interroger les cochers au sujet du prêtre de Falen par les Israël. Oh, alors non. Donc ça c'est quoi? Tombe de la nuit. Le garde mortal m'a demandé d'enquêter sur l'incendie de la maison de... Ah oui, c'est vrai, il y a une gamine. Tiens, on va faire ça. Trouver le guide après la nuit tombée, d'accord. Mortal. C'est là, mortal, ouais. Pélo. 6-9 la trique. Pélo. Alors, la nuit tombée. Elle est tombée, la nuit, là. Ouais, elle est bien tombée, même. Alors, ah, peut-être qu'ils vont me rechercher, eux, non? Parce que j'ai fait une connerie. Gardez vos mains dans vos poches. Je me méfie. Ouais. Oh, putain, il y a encore un. Oh, putain, vas-y, là. Par les dieux. Un dragon. Tout le monde à l'intérieur, vite. Ouais, rien à foutre. Moi, je vais faire ma quête. Alors, retrouver... Attends, c'était retrouver quoi, déjà? Retrouver Helgi. Le yard de Mortal m'a demandé d'enquêter sur l'incendie de la maison de Rogar. Qui a provoqué la mort de sa femme et de son enfant. Rogar a affiché une relation amoureuse avec Alva immédiatement après l'incendie. Et nombreux sont ceux qui les soupçonnent d'avoir fait le coup. Ok. La nuit tombée, elle est tombée la nuit. Bon, elle est où la gamine là? Bon, démerdez-vous avec votre dragon, hein. Moi j'ai pas que ça à foutre. J'en ai marre de buter des dragons. Oh putain, oh dégueulasse. Oh. Immondice. Bon, je vais vous aider un petit peu quand même. Bon. Parce que attends. Après la nuit tombée, bah la nuit est tombée. Oh putain, bah vas-y. Allez, vas-y, voilà, crash ton venin. Blablabla, blablabla, gna gna gna, allez. Meurs,
Et si je tire une flèche comme ça, est-ce qu'elle me retombe dessus? Hein? Ah, elle est là! Il est où le dragon en fait? Qu'est-ce que t'allais foutre? Oh, mais. Oh putain! Et vous, vous êtes là, vous regardez. Ah bah il est déjà là, il est déjà revenu. Il est revenu au bercail, c'est bien. Ah! Bonjour et bienvenue! Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Moi je suis en train de buter un dragon ancestral. Merde, dragon! Ah, il se casse? Ah non, tu te barres pas, hein. Attends, attends, tu reviens. Vous croyez que j'ai peur de moi? Bah attends, j'ai pas fait ça pour rien, hein. Ah mais je suis con, retrouvé à la nuit tombée, mais il y avait... Ah, d'accord. Ok, non, mais il fallait que j'aille là-bas. Ok, bon, bah, on va là-bas. Et dragon? Alors, nuit tombée. Bah bravo, il m'attendait, le gars. Il m'attendait, le salaud. Salaud. Tête de chibon, là. Non, ouh, putain, il fait mal, le con. Alors. Qui, hein? Oui. C'est bien. Voilà, allez, crève, gentiment. Moi, je récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Ouais. Raya! Elle est où, Raya? Raya, elle est où? Raya! J'ai besoin de toi, Raya. Bon, bah, elle est pas là. Bon, on va aller voir. Ah, du ciel, bien sûr. Eh oui. J'ai envie de pisser. Vous m'avez trouvé. Laylette me cherchait aussi, mais je suis contente que ce soit vous. Quelqu'un avait dit à Laylette de nous brûler, maman et moi. Oui, mon père. Mais elle a pas voulu. Que désirez-vous? Elle préférait jouer avec moi pour toujours. Elle m'a embrassée dans le cou. Bien sûr. Et j'ai eu si froid que je ne sentais même plus le feu. J'en ai rien à foutre, gamine, de ce que tu me parles, là. Voilà. Regardez-moi, je suis morte et je m'en suis pas rendu compte. Je crois toujours que je suis vivante. Alors, Huskar, là, tu as récupéré ça. Et moi, il faut que j'aille pisser, moi. J'ai une grosse envie de pisser. Bah, à force de boire de l'eau, bah, on boit un litre d'eau, on en pisse deux. Eh oui. Alors... Je pensais pouvoir me garder avec elle à tout jamais. Alors... Mais c'est pas possible. Je suis très en colère. Ouais, rien à foutre, je vais aller pisser, hein. Vous en avez sûrement rien à foutre, mais je vous le dis, voilà.
Bon, non, t'es où? Ah oui, la gamine qui me parlait de son cercueil. Je joue avec ma mère. Ah, on s'en fout. Cercueil d'enfant, c'est le cercueil. Je suis fatiguée. Je vais me reposer un moment. Oui, tire-toi. Va vers la lumière, connasse. Putain, j'ai traité une gamine de connasse. En même temps, on s'en fout. Ah. Oh. Elle est morte. Eh? Elle est morte. La Ailette est morte. Bah oui. Que voulez-vous dire sur votre femme? La Ailette. Je pensais qu'elle était partie rejoindre les sombrages. Oh, ma pauvre La Ailette. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Ah, vous n'avez rien remarqué d'étrange avant son départ? Elle passait beaucoup de temps avec Alva. Ouais. Alors qu'encore une semaine avant, elle la haïssait. En fait, la nuit de sa disparition, elle devait retrouver Alva. Plus tard, Alva m'a dit qu'elle n'était jamais venue. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire au revoir. Je pense qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés après tout. C'est qu'Alva, là, je m'en souviens même plus de l'histoire et on va dire j'en ai rien à foutre. Je veux juste faire la quête. Oh, les dieux. Vous pensez qu'Alva est un vampire? Un vampiro? C'est une possibilité que nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer. Non, vous vous trompez. Ah bah. Vous avez forcément tort. Putain, il a de ses biscottos, le gars. Une fin tragique dans le marais. Comme moi. Je refuse de penser qu'Alva ait le moindre lien avec cette histoire. Vous ne pourrez rien prouver devant le Yard. Ah. C'est... Inspecter la maison d'Alva. J'espère qu'Alva n'est pas ce que vous pensez. Bah ouais, j'espère que... Bah, en fait, j'en ai rien à foutre. Je vais juste faire la quête. Alors, attendez. C'est quoi ce délire d'accumuler des cailloux comme ça, là? C'est pour invoquer des esprits, des trucs comme ça, vos conneries de croyances. Hein? Bon. Alors, c'est la quête de maison. Oh, c'est bien trop loin, c'est celle-ci, ok. Ah, bon. On va peut-être attendre. J'arrive pas à parler, je vous jure. Hein, c'est... On va attendre jusqu'à 10h, c'est pas mal 10h. Voilà, il fait jour, c'est bien. Alors, ah, je peux pas rentrer. Ah, c'est con. Hop. Ah oui. Alors, non plus. Ah, on a un truc là. Hey. Tout doucement, gentiment. On va quand même prendre la bourse, on va pas laisser ça comme ça. Petit coffre. Hein? Bon, même s'il n'y a pas grand chose. Cave d'Alva. Calvadavala. Ah! Bonjour madame. Ah bah d'entrée de jeu tu tapes. Bon. Attends, on va prendre la hache plutôt. Paf! Oh, c'est bien dommage hein. Elle était mignonne mais elle était bête. Elle était un vampire. Bon. C'est dommage. Habit taverne. Ah là. Journal d'Alva. Je souhaitais montrer le journal d'Alva au jar là. Hein. J'avais raison, depuis le début. C'était Alva. C'était une fiotte hein? De vampire. Oh, il y avait un autre coffre là. Bah écoute, on va... Hein? C'était un vampire, alors j'ai tous les droits. C'est une sous-race ce truc. Et tire-toi. Ah non, je crois que c'était de... Et si on se bourrait la gueule? On va se bourrer la gueule. Pour voir ce que ça donne. On va aller voir le Yarl complètement bourré. J'ai retrouvé le carnet de l'autre, monsieur le Yarl. Nourriture, vin, manger. Alors, est-ce que je suis bourré? Non? Ah bon, tant pis. Alors, on va aller voir le Jarl. Le Jarl! J'ai deux mots à vous compter. Jarl, mon Jarl. Ma Jarl. Regard est-il innocent ou non? C'est Alva qui a mis le feu. C'est elle, la meurtrière. Alva, je ne l'en pensais
pas capable. Eh ben écoute. Il se trouve que c'est un vampire et qu'elle avait l'intention de réduire la ville en esclavage. J'espère que vous avez des preuves. Oui. Vous ne pouvez pas faire des accusations aussi graves sans étayer. Hein ? J'ai le journal d'Alva. Alors c'est vrai ? Eh. La traîtresse. Tu es le maître Mortal vampire. Vous doit une fière chandelle. Bah oui. Tenez, nous vous avions promis de vous récompenser si vous résolviez le meurtre. Mais j'ai un autre service à vous demander. Ah, j'espère que c'est bien payé, le hein. Le danger n'est pas écarté. Et non. Le journal parle de Movart, un puissant vampire censé avoir été vaincu il y a un siècle. Je vais rassembler des guerriers compétents pour nettoyer le repère de Movart. Ils vous attendront dehors. Merci la vieille. Quelle est votre proposition à propos de la guerre, ça faut. Bon, très bien. Eh ben allez, c'est parti, on va buter Movart. Je suis à combien ? 269 sur 375, c'est pas mal. Allez, on y va. Salut, camarade. Ah. Conduisez-nous au repère de Movart. Oui. 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 Tuez-le. Oui. Tuez-le. Oui. Fausse. Oui. Alors, c'est où ? C'est loin ? Ah mais c'est juste là, d'accord. Enfin c'est juste là, c'est pas non plus à côté. Hein. Calmez-vous les gros. Qu'est-ce que tu veux toi ? Toi aussi t'es avec nous ? Jorgen ? J'ai la responsabilité de cette série et c'est tout ce qui m'importe. Ni plus ni moins. Compris ? Compris ! Allez on y va. Tu n'as pas vu ma mère ? Non. J'attends qu'elle rentre à la maison. Elle ne rentrera pas, elle est morte ta mère. J'avais un pote qui faisait ça... À l'époque, on faisait du skate à Gerland, au skatepark de Gerland. Et il y avait toujours ces petits gamins qui... Il me suit, ces petits gamins qui squattaient les modules pour... Enfin, des modules, et ils les squattaient en trottinette ou à roller. Et mon pote, il en avait marre. Alors, il allait voir... il allait voir les gamins en question. Il leur disait... Il allait vers eux, il dit... Ta maman est morte. Alors, mais comment ça? Oui, va à l'intérieur. Ils vont tout expliquer. Va à l'accueil. Ils vont tout expliquer. Ta maman est morte. Ils ont appelé. Et donc, ils disaient ça à tous les gamins. Et tous les gamins allaient à l'intérieur, à l'accueil du skatepark, pour savoir de quoi il en retournait. Et comme ça, bah, il avait le module pour lui tout seul pour faire des grinds. C'est quand même salaud, hein. Ta maman est morte, ouais. On y est ? C'est là ? Il y a la fiotte de vampire, là ? Alors ? Ouais, c'est ça l'entrée, ouais. Ouais ? On y est. Et sinon, les autres, ils sont où ? Ah bah, il y a Raya, mais les autres ? Super. On y va. Hein. Repère de Movart. Bon, comme ils sont pleins, on va pas être discret, donc on va y aller à la zub. Et on va buter tout le monde. Hein. Alors, ils sont avec moi ? D'accord. Ça me gratte. C'est bon. Alors, les vampires... Vampiro. Ah! Bah, pas de vampire là-dedans! Alors? C'est des araignées. Ils ont confondu araignée et vampire. C'est en anglais. C'est pratiquement le même mot. Vampire. And spider. Ah, ça se ressemble. Alors, c'est pour ça. Il y en a d'autres. Je vais récupérer ma flèche. Bien sûr, je peux pas la récupérer. Bon sang, bonsoir. Alors. Ah, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur.
Saleté d'araignée de merde. Il fait bien sombre ici. Bonjour. Alors, là il y a quelqu'un. Bien sûr, je loupais. Putain, comme il a valdingué. Ah, c'était qu'une flèche, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est la mort qui se pointe. Oh, un crâne rempli de sang avec un œil encore. Comme c'est mignon. Esclave vampire. Alors, on va que dalle, hein. Ah, faudra installer l'électricité, les gars. Ah, parce que là... C'est quoi ça? Pourquoi y a... Hein? Je comprends rien, là. Torche. T'es gentil. Ok. C'est vachement... Ah, c'est vachement accueillant chez vous d'y voir. Alors, ok. Ok. Ah! Je l'avais pas vu. Sauvegarde. D'ailleurs, les autres, ils sont pas venus, hein, ces bandes de cons. Laissez-moi vous débarrasser de cette course et de vos belles bottes. Il est où? Non, vous restez ici. Qu'est-ce que c'était? C'était rien. Ah, loupé. Lydia, attention. Il y a un vampire qui essaye de te taper. Allez, là, toi. Oh putain, loupé. Mais c'est qu'elle me tape là, Lydia, la Raya. On va y voir. Ah, il est où? Il est où ce con? Je le vois plus. Ah, il est là. Je prends. J'ai vu qu'il avait une belle arme. Fais voir. Ah non, c'est de la merde en fait. Alors. Eh ben. C'est pas joli à voir tout ça. Ouais. Ah, lui. Non, lui aussi. Bon. Ok. Alors, c'est par où commande. C'est par là. Oh. Tout le butin. Bah, y a pas grand chose. Hein. Y a que ça qui est intéressant. Finalement. Alors, Raya, tire-toi, Raya. Ouais. Oh, petite boursette là, non? Donc je suis arrivé par là, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a ici? Mon dieu, il doit avoir une odeur. Heureusement qu'on n'a pas l'odeur, mais... Avec tous les... hein. Bon. Pas grand-chose d'autre. Ok. Ah, le bordel de merde. Ah, il y a un gisement de mes couilles là. Je sais pas de. Oh, c'est quoi? De fer. Il y a quelqu'un d'assis là, on est d'accord? Ouais. Doucement. Tranquillement. Pouf! Voilà! Loupé. Oh, mais non, mais vous inquiétez pas, c'est pas ce que vous croyez. Pas ce que vous croyez. Loupé. Recharge. On arrive les enfants. On arrive les enfants. Il est où? Bah putain, mais c'est qui fait mal le con? Voir. Ah,
Mais non. Ah non, non, non. Non, 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 non. Non, non, bah je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un coup de Trafalgar. J'ai... Ok. Bon, bah écoute, hein. On y retourne. On y retourne, on y retourne. Gentiment, je t'immole. Alors, le mieux, je pense, c'est que d'abord, il faut tuer ces sbires, là. Parce que ça, c'est... Et ils sont plus faciles à buter. Oui, c'est ça. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Je suis caché, les enfants, je suis caché. Coco, va te rasseoir, petit, va te rasseoir. Je vais te ragra, mon pauvre. On va attendre un peu. Va te rasseoir là-bas. Va manger. Ce sera ton dernier repas. Personne ne peut battre un orc. Oui, je sais, tout ça. Ah, la conjoncture actuelle, on connaît. Allez, voilà, c'est bien. Attention, Raya, tu risques de te prendre une flèche dans le fion. Ah bon. Oui. Je vais vous tuer. Bah mais toi pas devant moi aussi. Je vais vous montrer ce que c'est que ce mal. Oui, bah on est là. Voyons ce que vous savez faire. Mais t'es conne, bordel, pourquoi tu me pousses? Eh oui, bah oui. Oh, ta gueule. Allez, montrez-moi ce que vous êtes en train. Bah dis donc, c'est... Oui. Ah. Ah. Et ses potes, ils ont rien fait. Mon esprit doit me jouer des tours. Ouais, c'est ça. Fais confiance en ton esprit. Il te joue de sacrés tours. Je suis où là? Ah oui, effectivement, l'esclave vampire. Viens là, esclave. Esclave. Oh, bah, ah d'accord, il doit sûrement faire le tour. Bon bah j'arrive. Coucou. Bonjour les enfants. Oh là 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 là. Putain mais c'est qu'elle fait mal là. J'ai quoi là? Potion profus. Allez, on va prendre ça. Et on va prendre quelques-uns comme ça. Mais c'est que ça fait mal, ma grosse. Tu sais que ça fait mal. Et celle-ci, là. Tchon. Saleté. Saleté de racaille de vampire, là. C'est la racaille, ça. Moi, je te le dis. Ça, je prends. Ça, c'est de la merde. Et la grosse, elle est où? C'est elle? Ah. Ah. Potion de magie. Oh, ça vaut un petit peu de... un petit lit comme ça en plein milieu d'une grotte, c'est pas mal. Ça, c'était un lit de gonzesse. Regarde toutes les bottes qu'il y a.
illusion, augmentation au niveau 20. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouf, j'ai lâché une caisse de tous les diables. Attack, Jorlas. Ah mais oui, c'est clair. Personne, là. Bon, on voit que dalle dans cet endroit, là. Ils ont pas envie de... d'éclairer. Magie, c'est de la merde, ça. Fais voir. Oh, non, mais de toute façon, ouais, y a pas grand-chose ici. Pas grand-chose de ce côté. Bon, allez, le dernier, là. Le dernier con. Il est où, ce con? Filon de fer. Allez, viens là. Coucou, y a quelqu'un? Kikou. Eh ben... on se refuse rien, mon salaud. C'est quoi qui fait ce bruit? C'est toi qui fais ce bruit? J'ai l'impression, hein. Vous êtes bizarre. C'est quoi, un casque? Je m'en fous du... oh! Nourriture, dégage, rien à foutre. C'est quoi qui fait ce bruit, bon sang? C'est toi qui fais ce bruit? Il avait une flèche dans le cul. Je l'ai vu. C'est quoi qui fait ce bruit? Ça, c'est de la merde. Oh, une pièce d'or. Or. On prend tout, nous. Enfin, surtout l'or. Enfin, le reste, rien à foutre. Alors, on est arrivé par où? On est arrivé par là. Mais en bas, j'ai pas regardé les trucs. Ouais, bon. Ok. Ok. Donc, ouais, d'accord, c'était comme ça. Ok. Là, il m'a balancé ses molars de glace, l'autre con, là. Ah, des fois, dans les renfoncements, comme ça, tu sais. Bon, non, bon. Et petit truc caché, voilà. Voilà, c'est dit. Ah, oh putain, tu m'as fait peur. Dis-le que t'es là, sifflote, fais quelque chose. Genre, c'est moi. C'est Raya. Mie. Putain, je te jure. Ah, bonjour, c'était vous que je cherchais. J'ai, oh bah, vas-y donc. Elle est où? Attends d'y voir, mais c'est qu'elle va me faire très mal, l'autre. Voilà. Flèche elfique, crochet, hop. Oh, mais attends, elle veut quoi? Arc, torque. Non. Aïe. J'ai la narine irritée. Et ça fait très mal. Petite boursette. Ça, c'est quoi? 90, c'est de la merde. Des flèches, on prend. Ouais. Ok, non, bah attends. Parce que là. Attends. Il y avait un autre passage. Et l'autre passage, j'ai pas envie de faire 40 km pour terminer l'endroit et m'en rendre compte que l'autre passage, je ne l'ai pas fait. Alors, l'autre passage... ok. Excusez-moi, je fais comme chez moi. En même temps, je suis chez moi. Alors... alors... ah, bonjour! Tiens, ta gueule. Esclave. Non, ça c'est de la merde. Sang immortel, c'est de la merde. C'est des trucs de fiotte. De magie, machin. Regardez-moi, je fais de la magie. Et on sait très bien que la magie n'existe pas, bordel de merde.
671, ça augmente la résistance au feu de 40%. Bah, d'y voir. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais arrêter de prendre des trucs comme ça. Ah, par contre, ça, 900. On peut discuter. J'adore Miro, je vous le jure. Hein. Oh putain, tu m'emmerdes, Raya. Tu faisais comme la Lydia, là. Tu me laissais jamais passer. Elle est où? Elle est là. Parcours. Ah, je vais reprendre une torche en sautant. Une torche en sautant. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un coffre, là, sur la droite. On va peut-être aller voir ce qui s'y trame dans le coffre. C'est quoi, livre de Daedra? Ça vaut quoi? 135? Ou 137, je veux dire. On va quand même prendre. Tu dis non? Bon, alors, coffre. Bonjour. C'est quoi? J'aime sûr. Oui, je prends. Je prends. Tu veux te coucher, Raya, hein? Et un petit douillet en peau de bête. Point. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Major. Ah, j'arrive là. Eh oui, le passage. J'avais remarqué le passage et on arrive au début. Bah c'est bien, voilà, c'est fait. On va retourner voir le jarl. Enfin, la jarlette. Et ensuite, on va retourner voir les griscouilles, là, pour qu'ils me donnent un lieu de... un lieu pour récupérer un mot de puissance. Parce que depuis un certain temps, ils me donnent toujours le même endroit. Sauf que des fois... Ah, bonjour. Ah. Bah écoute, j'ai appuyé sur E et... Voilà, tu peux reposer en paix. J'ai pas suivi l'affaire, mais à vrai dire, j'en ai rien à foutre. Voilà. Ah bah ils sont là maintenant, eux. Il y a plein de vampires. Bah ouais, il y en avait plein là-dedans. Nous devons tuer les vampires. Oui bah. Moi je vous attendais. Bande de cons. Putain, je te jure. Voir des boutiques, ouais. 8h. Ah, de 8h à 20h, ouais. Lorsqu'un magasin est fermé, attendez le lendemain, blablabla. De 8h à 20h, c'est bon, j'ai tué la fiotte. Attends, d'ailleurs, il faut que je vérifie si je suis pas devenu une fiotte, moi. Je vais voir, objet, arme, maintenant, tenue. Hop. Tac. Non, c'est bon, je suis toujours un humain. Ok. Vous êtes pas comme les autres, hein? Et pas comme les autres. Eh, je marche sur le feu, rien à foutre. Eh, la jarlette. Armriel, parlez vite. Je ne tablais vraiment pas sur votre réussite. Ah bon? Nous allons peut-être enfin pouvoir tirer un trait sur cette histoire. Eh oui. Veuillez accepter ceci en guise de remerciement. Qu'est-ce que tu vas me filer? 1200, moi. Repose en paix, ok. Vous faut-il autre chose, mon jarl? Ma cour peut encore accueillir un nouveau Tan. C'est surtout un titre honorifique, mais il procure quelques avantages qui pourraient s'avérer utiles à quelqu'un comme vous. Oui, je sais. Cependant, ce titre ne peut revenir qu'à un individu réputé dans ma châtellerie. Oh. Aidez mes citoyens et je... Oh putain, c'est chiant ça. Ce sera un honneur pour moi, je le ferai plus tard. Quelle est votre position au niveau de la guerre? Allez, salut Poufias. Bon, on va aller voir j'allais dire les blanches barbes, les grises barbes. Votre se balade dans la flotte, tranquille. Et voir s'il me donne un endroit, hein, que je n'ai pas fait. Parce qu'à chaque fois, il m'envoie ici, Pointe d'Arquevent. Moi, j'aimerais qu'il arrête de m'envoyer ici.
à pointe d'arc-vent. Oh. 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 Allez, c'est parti, les vieux. Ah oui, mais attends, c'est vrai, j'ai un nouveau mot, au fait. Cri. Intimidation, et les faibles redouteront du tomb et s'enfuiront de terreur. R. Ah, ça a frisé. Ouais. Ah, c'est ballot, ça. Quoi? Ah, putain, même le... Ah, c'est bon, je... N'était pas sûr, même le stream là vous avez frisé. Voilà, voilà. Ah, il me reste deux âmes de couillasse près de Kin. Ah voilà, parti. Bah, voilà, c'est bien. Oh, je commence à en avoir un paquet, hein, non? Non, bon. D'ailleurs, je sais même pas combien il y a de mots au total à récupérer, à faire. Bon alors les vieux, il est quelle heure? Il est 3h du mat, il est en train de roupier ce con. En train de ronquer. Bah à cet âge là, ça dort plus que ça... Ça restait... Ah non, c'était pas lui. Lui, quand tu lui parles, il a juste une caisse. Bori. Ok. Dovakena. Bah qui sait juste dire ça? Ah bonjour, Arnière. Nous avons reçu... Oui, alors. Ouais. Donnez-moi votre carte. Ouais. Et je vous montrerai où y trouver l'écho. Ouais. Oh putain. C'est quoi, tu m'emmerdes? Va te faire foutre. Alors. Ok. Tu m'emmerdes. Le ciel dans ton cul. Rien à foutre. Allez. 7 stages. Free, form, high, rot, car, a, 20. Merci, allez. Et maintenant, si je viens de lui reparler... Votre formation est seule le oh, ta mère. Putain. Peut-être entendrons-nous bientôt l'un de vos... À chaque fois, il me fait ce coup-là, je te jure, à chaque fois. Et ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde. Carte, peut-être des lieux à visiter, mais moi j'ai envie de faire les quêtes, j'ai pas envie de, d'aller les tréfonds mes couilles. J'ai pas envie d'aller à l'aveuglette comme ça en fait. J'ai envie de trouver une petite quête, faire la quête, et voilà quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai ça je peux pas le faire parce que mes couilles, parce que j'ai pas, voilà, lumière du mage. Légende interdite, t'as trouvé le fragment d'amulette, ah putain c'est vrai ça. Ah oui, mais ça non plus, je peux pas le faire parce que... Ah, c'est là. Oui, parce que, je sais pas, il faut une clé. Et j'ai pas la clé. Et aussi, regarde. Fragment Assar, hein? Demeure de Germund. Et elle est où, la demeure de Germund? Je sais pas, la poursuite, alors, fais voir, la poursuite. Trouver les preuves à l'endroit où se trouve Mercer, d'accord. Et si je l'active, est-ce qu'il me donne un endroit où aller? Ouais. Essaie. Ah, Fayez. Bon, bah écoute. On va tenter de faire ça. Quelle heure qu'il est? Oh, bientôt minuit, bah dis donc. Oui, c'est... qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça... Ah putain, j'étais même pas en... D'accord. Je vais aller remplir ma bouteille d'eau, les enfants. À toutes.
Ok, on y retourne. Alors. Ah putain, c'est vrai. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Ouais, alors, c'est pas ce que vous croyez. Je fais partie de la guilde, ça suffira. Enfin, ça suffira-t-il ? Enfin, c'est la prime. Je peux régler tous vos problèmes avec les gardes, ça ne sera pas donné. Oui, bah tiens. Oui. Voilà qui est fait. Allez, du vent. Ouais. Avant que j'aie des ennuis. Ouais. Et arrête de traverser les murs, s'il te plaît. Ah, putain, mais c'est vrai. J'avais oublié ça. Laissez-moi deviner. Ta gueule. Quelqu'un vous a volé votre pâtisserie. Oh, mais je vais... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'il y a un... Une sorte de latence avec entre le mouvement de ma souris et le mouvement du jeu. Je sais pas, c'est bizarre, j'aime pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, on va voir. Alors oui, découvrir où se trouve Mercer. J'ai jamais... Ah bah voilà, ça va mieux. Là, c'est mieux. Je sais pas, il y a eu un... Hein ? Bah ils sont réapparus ? Oui. Merde, j'ai failli taper. Ah, attends. Voilà. Ah, bah, je crois qu'ils étaient morts, moi. Je les avais tués. Ils ont réapparu. Ah, mais oui, c'est une histoire avec Vald et j'ai tué Vald. C'est un coup, Vald, il est revivant. Vald, pas le rappeur, le un gars. Alors. Ah, oui, ça. Je peux le vendre. Bonjour. Alors, il y a une lettre ici, ouais. Liste de courses, d'accord. Armoire. Ah 23. Ça. La barre est bloquée et il est impossible de l'enlever. Ah bon. Ah, c'est con, ça. Alors... Ok. Ça, je prends. Ouais. Oui, j'avais déjà fait, voulu faire cette quête. Mais je sais plus pourquoi. Bah, je peux pas. Je suis... Carte. Je dois aller là. Trouver des preuves. Ça doit... Mais j'imagine qu'il faut passer par les sous-sols, mais bon, les sous-sols, bah, je peux pas parce que. Allez, fais voir ça. D'accord. Placard suspect ? Oh, bah voilà ! Bah voilà ! C'est quoi ça ? Hein ? Ah ? Attends, Lydia. Raya. C'est bon, tu peux venir. Hein, c'est quoi ça? Oh putain, je crois que ça flottait dans les airs. Ça va, tranquille, on se balade. On visite. Ça risque de faire du grabuge.
Ah. Dans le doute. Ah oui. Il y a un passage qui mène aux égouts. Là. C'est quoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi il y a la lumière? Ah bon, comme vous voulez. Alors. C'est ici. Ah oui. Ah ça brûle, oui. Ouais. Heureusement qu'on est très fort et que... Hein? Ah oui, les pièges. Ah, les pièges. Petit coffre. Bah voilà, je vais pouvoir enfin faire... Oh, allez, on la prend. On prend la torche. Je vais pouvoir enfin faire cette quête, bon sang, et avancer dans... dans les trucs. Ah oui, oulala. Oh, vous êtes vénère, vous. Ah oui. Bah, dis donc. Je fonce! Allez, allez. Ne crève pas. Et si je lui file une petite potion? Est-ce qu'elle l'utilise? Ah non, mais c'est pas ce que je voulais. Bien sûr, Tan. Que puis-je faire pour vous? Tiens, une petite potion, parce que je suis généreux, moi. D'accord? Alors, on va lui donner quoi? Un petit sang? Oula, oh là, oh. Ah ouais. Tiens, allez. Utilise-la. Passez devant. Non, tu veux pas l'utiliser? Putain, la conne. Arme. Ah oui. Voilà. Allez. F5. Alors, c'est juste derrière, apparemment. Et il y a un piège. Ah ah ah. Déclencheur de trappe. Eh merde. Voilà. Ah. Ah, pourquoi il y a un coffre d'Oemer? D'argent. Ça, je prends. Ça, c'est de la merde. Ensuite... Il m'a l'air d'avoir des petits livres qui peuvent augmenter mes capacités. Une gourde? Je vais me foutre une gourde. Qu'est-ce que je fasse d'une gourde, moi? Oh, bah d'ivoire. Alors déjà, on va prendre le bol comme ça. Ouais. Ok, alors pour commencer, le bol, tu dégages. Et après, moi, j'ai des petites choses, quoi. J'ai récupéré des petites choses sympas. Alors fais voir les petits grenats. Ouais, ouais. J'ai les ongles longs, il va falloir que je me coupe les ongles. Parce que je déteste avoir les ongles longs. Ça, je peux la vendre, il me semble. Ok. Ah. C'est quoi ça? Ah, c'est la preuve. La preuve des choses. Ah! Voilà. Allez. Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'on a fait. Allez, on prend, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Ok. Urne funéraire. Oh bonjour. Combien tu coûtes toi? Ah merde. Bah dis donc. Ah, je suis sur un coup. Non. Eh. Voilà, écoute. Alors, 872, allez, je prends. Hein? Ouais. Pourquoi vous traînez dans ce genre d'endroit, bordel de merde? Galerie de la souricière? Putain, mais c'est gigantesque en fait cet endroit, bon sang. Bon. Bah écoute. Oh, il y a des signes. Hein? Bonjour! C'est ici,
Bonjour. C'est quoi ça? Pantalon usé. C'est par où? C'est par où qu'il faut que j'aille? Ah! Voilà, dégage. Ah oui, attends, j'arrive. Juste. Voilà. Ah. Moi, je veux juste retourner à la surface, hein. C'est quoi? Hein? Pourquoi il y a des bruits? Voilà. Tout ça pour ça. Alors, ça je prends, ça je prends. Or, je prends. Ah, c'est chiant ça. Or, bourse, 34, plus 9. Oh putain, c'est chiant ça. Ah, s'il faut que je touche, que je les déverrouille là, c'est... Alors, ça non. Ouais, pourquoi pas. Une torche. Ah, pourquoi pas. Collier d'or, non, c'est de la merde. Ensuite, celui-là. Je prends, c'est de la merde, c'est de la merde. Ok. Alors, pour sortir, je crois que c'est... Ah bah voilà. Bah non. Ça prend, je crois ça. Oh, ça ressemble à un autre endroit, bref. Ah, c'était en haut. Ah, d'accord. Bon. Écoute, j'arrive là. Et ici, j'arrive où? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh dieu. Quel... Putain! Faut pas me faire peur comme ça, bordel de merde. Souris serre-voûte. Ok, ça va commencer à m'emmerder ça. Je veux juste terminer la quête là, aller voir. Et dire, hey, il est là-bas l'autre, ouais. Ça, ça va faire 2 heures. Ah, ça commence à m'emmerder. Bon, ce stream, il a pas été de grande ampleur. Ah, bah voilà. Putain, les crochets, j'en ai combien? C'était pas un stream très mouvementé, hein, c'était très calme. En plus, surtout ces grises barbes de mes couilles. Putain, bientôt 700. Qui voulait pas me... Qui me donne toujours le même endroit à aller chercher. Non. Ah oui, c'est là. Alors, ouais. Comment on monte, du coup? Comment on monte? Hein? Là, c'est pour descendre. Moi, je veux faire l'inverse. Je veux monter. Voilà. Voilà, comme ça. Hein? J'aime bien ces endroits comme ça, lugubres. Ah! Ah, il est mort. Ah, c'est moi qui l'ai tué. Je sais pas. Et on va dire, je m'en fous. Oh, des ragnards. Oh là, ça fait mal ça. Est-ce que ça fait mal? Ah oui. Ça fait mal ça. Attends, on va essayer un truc. Non, je croyais que ça allait les faire valdinguer vers l'avant. Comme ça, je me laisserais pris en pleine poire. Hein? Ah bah en fait, c'était juste là. Et moi, j'ai sauté. J'ai fait tout un merdier pour rien finalement. Bon, c'est quoi ces petits... Hein? La cruche percée. Bonjour messieurs dames. Ça faisait longtemps, hein? Ah oui, c'est par là. Une torche, je peux la prendre? Je peux la prendre? Ouais, on va la prendre, allez. Je sais où il est, Mercer. Mercer original. J'ai enfin trouvé comment fallait faire et c'est bon. Oh ah non. J'ai parlé à tous les informateurs qu'il nous reste. Aucune trace de Mercer. Vous avez eu plus de chance? Oui. Par la barbe de Shore. Qui veut voler les yeux de Falmer? C'était le grand projet de Gallus. Oh bah dis voilà. Mais la main dessus, il va disparaître pour de bon. Ça ne fait pas un pli.
Régularité, hein. Je suis d'accord. Il a pris tout ce qu'il restait à la guilde et maintenant il prépare l'un des derniers grands coups de l'histoire. Ouais. C'est une insulte. J'ai parlé à Carlia et lui ai fait des excuses au nom de la guilde pour la façon dont nous l'avons traité. Elle aimerait nous voir tous les deux. Ouais. Il n'y a pas une seconde à perdre. Terminé la poursuite. Commencez. La Trinité restaurée. Écoutez, Carlia, d'accord, bah pas tout de suite, parce que j'aimerais retourner voir ces cons. Ah oui. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah. Oh bah écoute, attends. Pas moyen de. Ah non, ça c'est les coffres. Non, c'est pas là. Moi, je veux juste retourner à. Rien. Je vais juste retourner dehors. Je crois que c'est par là. Faïez. Eh oui, c'est par là. Est-ce qu'il est toujours là, Vald? Le corps de Vald, du moins. Eh bah oui, effectivement, il est toujours là. Et en fait, c'était lui qu'il fallait... fallait pas que je le tue, je crois. Voilà. Ensuite. Les griscouilles. Allez, allez, cette fois-ci, tu me donnes un nouvel endroit. T'es gentil, tu me donnes un nouvel endroit. Et pas truc hein, d'arc-vent, hein, parce que j'en ai marre de ce bug. Je sais que tu peux me donner un autre endroit, je sais. Arnière. Ah, Arguer, je sais pas comment ils s'appellent. Ils ont de ces blazes aussi, je te jure. Oh, il est en train de ronquer, là. Comme c'est la nuit. Alors, c'est lui. Bori. Vulfar, Vulfgar. Ah. Toujours en train de vénérer ton assiette. Le ciel au-dessus. Nous avons ressenti. Alors. Donnez-moi votre carte, ouais. Et je vous montrerai où y trouver l'écho. Oh, ta grand-mère. Que le vent vous guide. Putain, je te jure, je te jure, je te jure. Je sais pas, je sais plus quoi faire. Je pense que je vais oublier ça, hein. Pendant un certain temps, peut-être que ça va se débloquer de lui-même. Mais j'y suis déjà allé, je l'ai, et ça m'emmerde. Donc, on va refaire le 7 stage Free Form High Rotgar A 20. Voilà. Tu m'emmerdes. Attends, je l'ai fait combien? Putain, tu te rencontres, regarde, 4 fois. Il y en a même peut-être 5 fois, je sais pas. Bref. Oui. Trinité restaurée. Écoutez, Carlia, on va aller voir Carlia. C'est la meuf qui, quand elle parle, c'est insupportable. Et oui, vous savez. Et parce que je sais que peut-être que. Oh là là. Enfin, yes, c'est taillé. Une sinistre exploitation principalement à cause de la présence de la guilde des voleurs dans les égouts qui sillonnent sous les rues. Hein. Et j'en fais partie. Bon. Il faut que j'ouvre l'œil. Oui. Oui, oh là là. Oh. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, que t'es laide. De passage à Fayez. Ravi de vous rencontrer. Je suis prêtresse au temple. Ah, j'en ai rien à foutre en fait. C'est quoi ça? Temple de Mara. Mara, la Mara Salvatrucha. Pour ceux qui connaissent, c'est ni plus ni moins que les MS-13. Le cul percé. Allez, Carlia. Insupportable quand elle parle. C'est quoi ton arc? L'heure est venue de décider du sort de Mercer. Ouais. Avant la nomination d'un nouveau maître de la guilde, c'est à vous que revient la décision. C'est vrai, mademoiselle. Et j'ai pris une décision. Mercer Frey a essayé de vous tuer tous les deux. Il a trahi la guilde, a assassiné Galus et a remis notre futur en question. Il doit mourir. Nous devons faire très attention, Brignolf. Mercer est un rossignol,
un agent de Nocturne. Oh. Alors tout est vrai. Tout ce qu'on raconte dans les histoires. Les Rossignols. J'aime bien, ils se parlent, mais ils me regardent. Nocturne est le mausolée du crépuscule. Oui. C'est pour cette raison que nous devons nous préparer à affronter Mercer à armes égales. Il y a un sentier étroit qui gravit la montagne jusqu'à l'extérieur de Fayez, en sortant par la porte sud-est. Au bout de ce chemin se trouve une pierre dressée. Je veux que vous veniez m'y retrouver. J'ai des préparatifs à faire. Ok. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des trucs, des machins à prendre. Non, ah bon. Alors, on sauvegarde. Fais voir. Charger. Oh, bientôt les 100 heures. Bon, alors, fais voir. On retourne au bureau. Bon, les Twitchos et les Twitchas, merci d'avoir regardé ce stream. Si c'est la VOD que vous regardez, ben merci de la regarder. N'hésitez pas à me follow de part et d'autre d'Internet. Alors, vous avez bien sûr Twitch, Marvin at Live. Vous avez YouTube avec Marvin Schrödinger et Bazar à Marvin. Et tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, sous le pseudonyme de Marvin Schrödinger. Ça s'écrit comme ça se prononce. Voilà, et que dire de plus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des événements, comme de réussir dans tout ce que vous entreprenez, pourquoi pas, écoute, hein. Je vous souhaite que du bonheur, et non, je suis pas au centre, là. D'accord, et soyez heureux, voilà, j'ai mis mon t-shirt à l'envers, non, bon. Pour ma part, je vous dis merci, et... À la prochaine.